Ben, je suis où? Je suis encore dans les loges du Brunzing à Barbara. Et je suis avec qui? Vous êtes Sweet Needle. Et vous venez de Paris. Ouais, et vous faites du black? Non, mais je me suis gouré, pétard, le con. Non, donc heavy rock, alors, les mecs, vous avez combien d'albums à votre, enfin, combien de EP à votre actif? Deux EP. Le dernier est sorti quand? En septembre 2016. On va enregistrer un prochain titre là, fin décembre, qui nous correspond encore plus que le dernier EP. Qu'on joue en live d'ailleurs. Qu'on joue en live déjà, ça s'appelle Failed. Oui. Donc voilà, c'est votre actu. Moi je ne l'ai pas encore chroniqué, donc c'est le détail. Mais je viens de vous voir en live, donc j'ai une petite idée. Moi j'ai trouvé, arrêtez-moi si je me trompe, par rapport au premier EP que lui j'avais chroniqué, j'ai trouvé que vous étiez un petit peu plus métal maintenant. C'est vrai, des moments plus lourds. On va dire qu'on a voilà. Moi. C'est moins glam. J'ai trouvé un parallèle avec un groupe comme Sister qui font un peu du sleaze, un peu burné, un peu burné que des groupes de glam, ouais. Hard rock. Ouais. Et plus noir aussi. J'ai trouvé que l'image glam, on mélange des styles quand même. C'est différent. C'est assez éclectique en fait. J'ai trouvé que vous étiez un peu plus noir. En plus, toi, sur certains morceaux, la voix, voilà. Non, je me trompe ou pas? Non, pas trop. Donc c'est votre état d'esprit en ce moment, là. Exactement. Cherchez bon. La grandeur. Voilà, ok, vous tournez un petit peu? Ouais, pas mal. À part ici, Saint-Etienne. On a fait l'Angleterre. On a fait l'Angleterre à Londres, à Nottingham, c'est carrément cool. En première partie... Venue de Génération Superstar, pour Et prochaine date, c'est à Bruxelles, en Belgique, en janvier. 14 janvier. On a joué à Rouen aussi. En festival ou C'est en concert avec deux autres groupes et on rejoue. Cherry Kane, les Voltrades aussi. Les Voltrades, belges. Ensuite, on rejoue dans la région, plus ou moins dans la région, au Marnas Metal Festival. Oui, je connais bien. Très bon fest. Très bon fest, le Marnas Fest. On se voit là-bas. Bon, on se voit là-bas. C'est signé. Hein. Mais ça se trouve, on se verra avant. Hein. Moi, je vous le souhaite. Hein. Aussi, avec plaisir. Si vous faites une première partie d'un groupe, d'un groupe intéressant, bah, je vous souhaite aussi. J'ai trouvé ça très, très carré, très au point. Ah, c'est scéniquement, pas de soucis. Bon, il n'y a que votre batteur, je sais pas. Attends, mec. Le détail du look, d'accord, mais se mettre un plâtre pour se replaindre, non. C'est Broken Bones. J'ai pas eu le choix, en fait. Et ça colle au CD, en fait. Il a quand même assuré de jouer avec un pied cassé. Ouais, ben c'est sûr. J'avais un deuxième pied, donc pas les mêmes. C'est clair, ça sert à quoi un deuxième pied? Donc, c'est quoi vos envies, alors? Donc, de faire un vrai album? Pour le futur, en fait, ça dépend, on est assez mitigé dans le groupe. Il y a plusieurs avis, il y a Arthur qui est plutôt pour faire plusieurs EP et pas d'albums. Ça correspond plus à notre époque, les albums. Les gens n'écoutent plus entièrement un album. Il est bon, si. Oui, mais les EP, c'est plus dans l'air du temps. Du moins pour commencer, quoi. Après, c'est sûr qu'il faudra venir à l'album au bout d'un moment. Là, nos envies, c'est de faire des premières parties. Là, c'est de vraiment jouer. C'est de jouer le plus possible. Hors de Paris, jouer un peu partout en France, jouer un peu en Europe, Allemagne. Pourquoi? Parce que Paris. Paris, c'est pas l'Europe. Paris, c'est trop petit pour vous. On y a joué. Ouais, bah oui, je comprends. On a notre petit public, ils sont très fidèles, tout le temps des putains d'ambiance. Mais là, ce soir, en tout cas, à Chambéry, les gars, je sais pas ce que vous pensez. Chambéry, c'était incroyable. Franchement, merci Chambéry. C'était vraiment. Ouais, ça bouge, hein. Hallucinant. Autant le public que l'ingénieur son, que le brassin, que tout. Je m'attendais pas du tout à ça et ça nous a fait super bon accueil. Bon, bah vous allez découvrir demain le public stéphanois. Bon, allez, je vais pas vous embêter. Je vais vous laisser peut-être si vous partez en after. Si, une question, une dernière question. Une question con ou une question à la con, comme vous voulez, qu'on pose tout le temps. D'après vous, faire du rock'n'roll, ça aide avec les filles? Ça dépend. Dans un groupe, bien sûr, c'est évident. Faire du rock'n'roll... faire du rock'n'roll...
Bon, du moment qu'on est dans un groupe, ça marche à peu près. Mais si, il y a des filles pour tout en plein milieu. Les filles, elles adorent ça. Les filles, elles aiment le truc. De... Bon, allez, c'était pour faire un clin d'œil. Bon, see you later, my friend. A plus. Salut, c'est fini. À la prochaine. Merci.